Shalom peuple de Dieu, shalom, nous sommes là, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là. Dieu est tellement merveilleux. Shalom. Dieu est tellement merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu, shalom, nous sommes là. Zambe a pambola biso, Zambe a pambola yo, Zambe a bénir mino, bisera bozali kuna. Shalom maman Flore, shalom papa Michel, maman Dijou, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que Dieu est ensemble avec nous aujourd'hui. Dieu a de très bonnes choses pour nous. Zambe a zana ma bouisi yamala mupona biso na poko lelo. Naibete Nzambe a osala biso bolamu mingi. Tika ete Nzambe na lola apambola yo bisiko zali. Nzambe na lola asunga yo bisiko zali. Naibete journal lelo tozali vraiment na esengo mingi ya kozala liboso na biso. Esengo mingi ya kopartage na yo. Esengo mingi ya koya sukobondela na yo ensemble. Tika ete Nzambe na biso apambola biso. Nzambe asunga biso. Et na kanisi bongo na biso za lolenge moko te. To komona vraiment loboko na Nzambe. Pote Nzambe na mawaje lo na biso. Tikete Nzambe apambola yo. Amen. Glory be to God. Shalom bien-aimé. Nzambe za malamu a permettre mis to kuta susu na poko lelo. Loku mpenke mwezo mepai na ye. La grâce que la protection divine a eu à protéger Bisso pendant toute la semaine, à la qui est le bon habito, à ce Bisso qui m'y a eu mon Dieu, au fait sa terre, et à mon gars, au mini basali pour les lames, toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes ici pour les louer, pour les lever, pour les exalter, pour ses bienfaits, pour te témoigner mon Dieu, les laïe. Azan Nzambe, akotika la Nzambe, akokani na motote, Nzambe wana azwa lokumu. La Bible dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, Dieu va nous donner du repos. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment du repos. Je sais que Dieu est ensemble avec nous. Amen. Dieu va nous accompagner. Amen. Alléluia, alléluia. Voilà des Bible n'aime pas le bien encore. Bino ba oye bolembi. Boza fatigué. Boya popusa na plein Nzambe, popusa na pour na Yesu Masia. Yen n'aime pas au pesa biso kimé a solo. Amen. Et kimé na Nzambe na biso la na moko na moko. Bisika to zani na komo na Yesu Masia. Amen. Toujours partager. Soko za touché par Dieu au partager pour ensemble. Amen. Toujours partager pour que ton stade prière. Nous allons commencer notre prière dans quelques minutes. Amen. Juste partager un peu le lien avec les autres pour que Dieu nous bénisse abondamment cet après-midi. Et je sais qu'il est ensemble avec nous pour nous faire du bien. Alléluia, alléluia. Je sais qu'il y a tant de choses qui se passent aujourd'hui. Nous sommes en train de traverser tant de choses. Nous sommes tellement fatigués. Et comme nous sommes tellement fatigués, il nous dit, venez en lui maintenant. Il est temps maintenant d'être près de Dieu pour recevoir le repos, le vrai repos. Et je pense qu'aujourd'hui, cet après-midi, Dieu va nous accompagner. Amen. Et le repos, c'est pour nous. Amen. Je sais que Dieu va nous bénir. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Cette chanson provient de la connaissance que quelqu'un connaît combien Dieu est merveilleux. Merci Jésus. Pour finir, on va dire ceci. Merci Jésus. Je vais demander à une personne d'être dans la présence de Dieu dans la prière. Reste dans la prière. Laisse-moi dire à une personne, Dieu va agir. Alléluia. Merci Seigneur.
J'invoque ta présence, Seigneur. Seigneur, maintenant nous sommes là pour commencer notre prière. Je sais que nous sommes bénis aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas seuls. Je sais que toi tu es là ensemble avec nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis mon frère, ma soeur qui me suit. Bénis une famille qui est maintenant dans des difficultés. Car la Bible nous révèle ceci. Vous qui êtes fatigués. Vous êtes tellement fatigués. Il y a tant de problèmes qui circulent nous. Il y a tant de problèmes qui nous surpassent aujourd'hui. Nous sommes fatigués. Mais il est temps maintenant de venir auprès de Dieu. Parce que c'est lui qui va nous donner du réponse. Un vrai réponse. Un vrai réponse. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons se mettre autour de Jésus. Nous allons se mettre autour de Jésus. On va s'asseoir autour de Jésus. Parce qu'autour de Jésus, il y a le repos. Parce qu'autour de Jésus, il y a le repos. Parce qu'autour de Jésus, il y a la progression. Il y a la progression. Nous allons marcher pour l'élévation. Nous allons monter vers l'élévation. Parce que Dieu va créer aujourd'hui le marche-pied. Le marche-pied. Pour que nous arrivions jusqu'à l'élévation. Dieu est tellement merveilleux. Oh Dieu, merci. Merci, papa. Je bénis ton nom. Bénis cette famille qui me suit. Il faut qu'il y ait la connexion. S'il n'y a pas la connexion, comment est-ce que nous devons avoir des miracles ou la délivrance? Vous savez, Marie était enceinte avec Jésus-Christ. Mais t'as quoi, coûte à la carte. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait une connexion. Il y avait une connexion. L'enfant qui ne bougeait pas. L'enfant qui ne bougeait pas. Automatiquement, l'enfant bouge. Alléluia. Amen. Et ma esprit tout ça, moi. Nous avons besoin de la connexion. Nous devons être connectés aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous sommes maintenant autour de Jésus. Nous avons besoin de la connexion. Oyeko otala ngaite. Amen. Oyeko otala ngaite. Oyeko o visiter bisote. Amen. Mais nous sommes autour de Jésus. Parce qu'avec Jésus, il y a le vrai repos. La délivrance est là. Des choses qui vont se transformer. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Mais cet après-midi, ça va marcher. Parce que c'est lui au vent d'après Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Jésus. Amen. Na makasi na biso te. Ngolo na yo nzambe monisa. Na volonté na ngaité za. Amen. Na makasi na. Amen. Nous sommes connectés par ta parole aujourd'hui. Amen. Nous sommes connectés par l'esprit. Et que cet esprit là nous accompagne cet après-midi. Amen. Et que cet esprit là se manifeste en nous. Amen. Et nous sommes tellement plus que vainqueurs. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Ensemble, nous allons prier, nous allons invoquer la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus, Papa, parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es tellement merveilleux. Agis Seigneur. Manifeste Jésus. Nous allons prier ensemble. Nous allons commencer à prier ensemble. Toi qui me suis là-bas, tu vas commencer à invoquer la présence de Dieu. Que Dieu nous accompagne cet après-midi. Que Dieu soit ensemble avec nous cet après-midi. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia Seigneur. Nazo pambola yon zambe. Nazo tika popa lelo mabokou na yon zambe. Je laisse mon frère, ma soeur entre tes mains. Ma vie entre tes mains, Seigneur. Ô Père de
moi-même, je ne paie rien. Oh Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là collés avec toi. Parce que je sais qu'avec toi, il y a la grâce. Il y a la grâce qui va se manifester. Il y a la grâce cet après-midi. Je sais que tu es là ensemble avec nous, Seigneur. Papa, nous avons besoin de distraction. Nous avons besoin de la distraite. Nous avons besoin de la awa. Avec le paix de Dieu que tu nous donnes maintenant. Avec le paix de Dieu que tu nous donnes. Oh Jésus, sois loué, Seigneur. Fais ça du solo biconsan. Guéris-moi, Seigneur. Guéris mon frère, ma soeur. Guéris, Seigneur, mon Dieu, cette église. Guéris, Seigneur, mon Dieu, celui qui nous suit. C'est lui qui est connecté de loin. Mais il est connecté. Que la délivrance se manifeste dans sa vie. Que le miracle l'accompagne cet après-midi. Par le nom puissant de Jésus. J'invoque tes noms. Parce que tu es tellement merveilleux, Seigneur. Manifeste, Seigneur. Cet après-midi, manifeste. J'enlève tout ce qui est obstacle dans cette connexion. Par le nom puissant de Jésus. Je sais qu'il y a une personne qui est connectée aujourd'hui. Qui est connectée aujourd'hui. Sera béni par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je sais qu'il y a une personne aujourd'hui qui est malade, Seigneur. Mais je sais que nous sommes bénis par le nom puissant de Jésus. Oh Père, je sais que tu es là. Tu es en train de créer des barrières. Des barrières qui vont empêcher l'ennemi. Que l'ennemi ne marche pas là-dessus de nous. Alléluia. Que l'ennemi ne marche pas dans ma vie. Alléluia. Que l'ennemi ne marche pas dans ta vie. Oh, que tu sois béni maintenant. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement merveilleux. Laisse-moi te dire, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon pour ta vie. Dieu est tellement bon dans ta vie. Aujourd'hui, il veut te faire du bien. Laisse-moi dire à une personne. Sans Dieu, on ne peut pas. Mais si on n'est pas à côté de Dieu, on ne peut rien faire. Si on n'est pas vraiment assis, bien-aimé, auprès de Dieu, bien-aimé, on ne peut rien faire. Mais je sais que nous avons la conviction aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Je sais que notre Dieu est ensemble. Il veut nous faire du bien. Du bien en abondance. Du bien en abondance. Je sais que Dieu est là ensemble. Il est là pour nous soutenir. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Je demande à Dieu maintenant que l'atmosphère des miracles entre dans ta vie. Amen. Je demande à Dieu maintenant que l'atmosphère des miracles entre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Marc 16 dans le verset 17 me révèle ceci, maman. Oui, les miracles accompagneront celui qui auront crié. Amen. C'est lui qui auront crié, bien-aimé, à cette parole. Ta foi, bien-aimé, va maintenant créer l'atmosphère des miracles. Amen. Moi, j'ai toujours dit que la foi est une usine qui multiplie les miracles, amen, qui change nos vies, amen, qui va transformer nos vies, amen, par le nom puissant de Jésus. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Dieu est tellement merveilleux. Nzamba zama lamu. Nzamba zama. Dieu est tellement merveilleux. Hallelujah. Dieu est tellement merveilleux. God. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Nzamba lingio mingi. Dieu t'aime beaucoup. Nzamba lingio mingi. Qu'est-ce qui ne marche pas? Hallelujah. Lui-même a dit que nous venez à moi, vous êtes fatigués. Glory be to God. Vous êtes fatigués. Amen. Je vous donnerai 10 réponses. Amen. Alléluia. Amen. Glory be to God. Vous qui êtes fatigué. Minoba obolembi. Vous qui êtes fatigué. Minoba obolembi. Venez à moi. Boya epai nangai. Je vous donnerai des réponses. Nako pembisa bino. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Nzamba zama lamu. S'il y a quelque chose qui ne marche pas. Soki ezale loko ezali kotambula malamu te. Viens auprès de Jésus. Yake pai na Nzambe. Parce qu'auprès de Jésus, il y a la solution. Et pas une ailleurs, ma sœur, il y a une solution, Ezali.
y a une solution pour toi. Il y a une solution pour ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, que Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Nous avons besoin de s'asseoir dans la prière. S'asseoir dans la prière. Parce que ta prière, bien aimé, va te délivrer. Va changer beaucoup de choses. Je voulais dire à une personne. Laisse-moi te dire, bien aimé, Dieu seul. Dieu nous épargne beaucoup. Dieu nous épargne. Laisse-moi dire à une personne, Dieu nous épargne. Le dimanche passé, nous avons dit ceci. Nous avons dit ceci. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je parle de temps. J'ai pas le temps ici. Mais je voulais dire à une personne. Jésus-Christ a dit. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir dans la prière. Faites-les asseoir dans la parole. Faites-les asseoir dans ses enseignements. Faites-les asseoir. Parce qu'il y a le miracle. Faites-les asseoir. Parce que la guérison est là. Faites-les asseoir. Parce que aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui. Ta délivrance est là. Faites-les asseoir. Parce que nous sommes bénis aujourd'hui. Faites-les asseoir. Et tu vivras. Faites-les asseoir. Dieu est tellement merveilleux. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Ce qui est capital, bien-aimé. Ce qui est capital cet après-midi. La Bible nous révèle ceci. Que le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Est assis à la droite du Père. La Bible dit qu'il est assis. Il est assis. Ce qui est capital. Jésus-Christ est assis. Mais pourquoi Jésus est assis? Quand la Bible te dit que Jésus-Christ est assis. Dans le livre de Marc 16, dans le verset 19. Jésus-Christ est assis. À la droite du Père. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est capital? Jésus-Christ est assis. Jésus-Christ est assis. Jésus-Christ s'assit à la droite du Père. C'est pour faire de tes ennemis, bien-aimé. C'est pour faire de tes ennemis ton marche-pied. Oh, écoutez, je vais t'expliquer. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Pour faire de tes ennemis. Ton marche-pied. Donc marche-pied, ça le quoi escalier. Ok. Yes, ma si, pour ça, la baïna, yo, escalier. Le quoi la step. Baïna, ma recours, ma escalier. Foot mode. Alléluia. Amen. Et c'est Nelly qui a marché sur le bango. On marche dans l'escalier pour atteindre un objet qui est élevé. Amen. Alléluia. On commence un escalier pour atteindre un objet qui est élevé. Alléluia. Et nos ennemis vont être bien aimés. Les steps là. Nous allons marcher sur eux pour arracher la bénédiction qui est élevée. C'est pour ton élévation. Élévation la biseau, c'est que ton matin. Amen. Mais Dieu va utiliser nos ennemis comme notre marche-pied.
Alléluia. C'est ça ce qui est capital. Vous amenez Yesu Masia à la paix dans Zambé. Pour faire de nos ennemis ton marche-pied. Faire à ton ennemi ton marche-pied. Laisse-moi dire à une personne. Ce n'est pas fini là, maman. Vous savez, bien aimé, c'est là de dire quoi encore. Marche-pied à Nini. Ezali Nini, bien aimé. Ezali moyen vos en progression. Alléluia. Donc, tout ce progresser, bien aimé. Alléluia. À cause de l'ennemi, il va se faire marcher pied. Progression, bien aimé. Je le déclare, toi, tu vas monter. L'élévation, c'est pour toi. Alléluia. Cet après-midi ici. La guérison, c'est pour toi. Amen. La bénédiction, c'est pour toi. Amen. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais cet après-midi, je voulais dire à une personne, c'est pour toi. C'est ton élévation. Aujourd'hui, je voulais dire à une personne, c'est un changement. Amen. Alléluia, je voulais dire à une personne aujourd'hui qu'il y a un changement. Je voulais dire à une personne, aujourd'hui, tu es guéri. Tu es guéri, toi qui es malade. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis maintenant, toi qui es maintenant malade, tu es guéri. Parce que Dieu fera de tes ennemis ton marche-pied pour atteindre la bénédiction qui est élevée. Alléluia. Am I speaking to you? Amen. Dieu est en train de créer un moyen de progression pour toi. C'est pour cela que nous devons s'asseoir. Nous devons s'asseoir auprès de Jésus. Parce qu'auprès de Jésus, l'ennemi est confondu. Auprès de Jésus, l'ennemi est maintenant ton marche-pied. L'élévation, c'est pour nous. L'élévation, c'est pour nous. Amen. Je voulais révéler à une personne. Vous savez, aujourd'hui, l'ennemi ou l'adversaire, l'adversaire aujourd'hui nous utilise comme des marchepieds. Alléluia. Amen. Vous allez regarder leur vie. Ils sont là, ils mangent bien, ils sont là en bonne santé. Mais ils vont vous dire que nous sommes en train de vous diriger. Nous vous dirigeons vers l'élévation. Mais en réalité, il n'y a pas le changement. En réalité, il n'y a pas la progression. Mais nous sommes toujours de la même. Mais regarde leur vie. Regarde-le. Il y a des millions. Ils sont là. Mais comme ça, marche bien. Et Dieu a décidé. Parce que la Bible te dit dans le livre de Hébreux 8, dans le premier verset. Alléluia. Hébreux 8, dans le premier verset. Ce qu'on t'a un petit A, la Bible te dit que ce qui est capital. Ce qui est capital, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est capital, ce qui est capital, ce qui est capital pour toi, ce qui est capital pour nous, le point capital, Jésus-Christ s'est assis à la droite du Père pour changer ce que l'ennemi maintenant nous considère aujourd'hui. Et l'ennemi devient maintenant ton marche-pied. Amen. Pour que toi tu pars maintenant vers l'élévation. À l'élévation maintenant c'est pour nous. Amen. L'élévation est allée à Bisso. Nous avons dit que cette année ici nous devons avancer. Tu dois avancer. Avance vers l'élévation. Avance pour conquérir le royaume de Dieu. Avance bien aimé, avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire là-bas que j'avancerai aujourd'hui? Amen. J'avancerai cette année ici. Oui, j'avancerai cette année ici. Amen. Et mes ennemis seront mon marche-pied. Amen. Ce qui m'a dit que je suis en train de me faire. Le point capital de Jésus-Christ est maintenant à la droite du Père. Là-bas, la Bible te dit qu'il intercède pour nous. Jésus-Christ intercède pour nous.
Jésus-Christ est en train de prier pour toi. Et laisse-moi dire à une personne, ta vie ne restera plus la même. Glory be to God. Amen. Alléluia. Tu vas prier là où tu es. Et tes ennemis soit ton marchepied maintenant. Que Dieu change les données. Par les noms puissants de Jésus. S'il venait pour te faire du mal. Mais qu'il y ait un changement au nom de Jésus. Et que toi, tu vas proclamer la victoire cette année. Toi, tu vas proclamer la guérison cette année. Au nom puissant de Jésus. Mais il y a une chose que je voulais te dire, bien-aimé. Assis-toi auprès de Jésus. Assis-toi auprès du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui la solution. Alléluia. Amen. Glory be to God. Amen. Merci Jésus. Merci. Tu es tellement merveilleux. Sois béni maintenant. Sois béni au Dieu. Alléluia. Par le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Tu es tellement merveilleux. Je laisse tout entre tes mains. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont comme on dit ici qu'on pour amen. Vous en avez besoin de Zambélo. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh merci Jésus. Zambé maintenant. Nous sommes profiter pour cette année. Menace la mort maintenant dans ton famille. Dans ta famille par le nom de Jésus. Qu'il n'y ait point la mort cette année ici. Vas-y maintenant. En progrès. Oh, maintenant, Dieu est en train de créer des moyens pour que toi tu avances. La progression, bien aimé, c'est pour toi. Oh, cette année ici, que Dieu maintenant fasse de tes ennemis. Fasse de tes ennemis ton marchepied. Pour que tu arrives à l'élévation. Tu vas arriver à l'élévation. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Laisse-moi dire à une personne. Même la mort est loin. Même la mort est loin de nous. Mais par le nom puissant de Jésus. À travers ta prière maintenant. La main de Dieu va toucher la personne qui est malade. J'ai toujours dit que dans le livre d'Ésaïe 59. Mais la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. N'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour me sauver. J'ai toujours dit que la main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. Si dans ta maison il y a une personne qui est malade. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Je déclare au nom puissant de Jésus que la puissance de la main de Dieu maintenant touche la personne qui est malade. Par le nom puissant et glorieux de Jésus.
Que la puissance de Dieu se manifeste. Tu vas témoigner le nom de Jésus. Dieu est tellement merveilleux. Que Dieu nous épargne. La mort devant nous. La mort devant nous. Je voulais dire à une personne, Dieu me met en esprit. Vous savez, si vous êtes, vous comprenez la révélation. Cette révélation que je parle de la mort. Qui est tout près de nous. Mais comme tu as une révélation sur ça. La mort là est poussée. La mort est poussée maintenant. La mort est maintenant poussée, poussée. Et qui m'a? Et qui m'a? Tu les chasses maintenant. Tu chasses maintenant. Son nom maintenant. Par le nom puissant de Jésus. On y est mis à découvrir que Koufé Zoya. J'ai souvent envie de dire à une personne. Mais parce que je vois la mort. La mort devant nous. Mais laisse-moi te dire. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Ta foi maintenant va changer de donner. Ta foi maintenant va changer. Va restaurer ta maison. Va restaurer ta famille. Même de nous ta foi maintenant. Je dis par le nom de Jésus Christ de Nazareth. Je dis par le nom puissant de Jésus. Receive it. Amen. Receive it. Amen. Alléluia. Ayebi ke yo yebi. Amen. Oyebi ke azo yera ba prayer mabena kati na libota na yo. Na Yesu na kati na biso te. Ayebi ete azo ya pele na ngai. Amen. Amen. E ngai na yebi. Amen. Yo oyebi ango sikolo. Que cette maladie qui frappe ta maison. Maladie ezali ko beta nda kuna yo. Eza ya pa mbate. Eza ya. Amen. C'est pour porter une personne. Mais comme tu connais maintenant, comme tu es révélé maintenant, menace la mort là. Par le nom puissant de Jésus. Et ta vie ne restera plus la même. Et cette personne sera debout maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Glory be to God. Bravo Seigneur. Alléluia. Oza Nzambe papa. Yondo zali Nzambe. Ofandi na loko papa ozali ko bondela pona biso butu moi Nzambe. Ya mabeke kota tena bomoi na biso Nzambe. Yondo zali défense. Faites nous signe que tu es là. Ozali ko défendre ba cause na biso. Faites nous signe. Alléluia. Loko kono li kula ba biso. Li kula ba famille na biso Yahweh. Sala biso ngolu papa. Alléluia. Faites nous signe. Partagez bien aimé. Partagez. Partagez. Alléluia. Ozan zambe la volingo. Alléluia. Zalan zambe la biso papa. Na poko alelo zambe. Zwa contrôle Yahweh. Contrôle nyo sur biso. Biso to kita yonde o mata. Reina yoko reni na kata ma vie na biso. Na kata ma famille na biso zambe. Zwa contrôle Seigneur. Le bon qu'on a eu est Simba, Seigneur. La musique en Zambé. Simba vient de Komoko. Alléluia. Simba vient de Komoko. Le bon temps, moko, c'est la sauver. N'a pas quoi les lots. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ozan Zambé Malamu. Que Dieu te bénisse à bon temps. Alléluia. Que Dieu soit ensemble avec nous. Nzambé Zalé Longo Nabiso. Et que cet après-midi, Dieu nous accompagne. Pourquoi les lots Nzambé Zalé Nabiso? Je sais que Dieu est ensemble avec nous. Naébiet Nzambé Zalé Nabiso. Dieu est ensemble avec toi. Azali Nabiso. Alléluia. Amen. C'est bien de partager la parole de Dieu. C'est bien de partager la parole de Dieu. Il faut être connecté avec cette parole-là. Parce que cette parole-là va nous changer. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Que Jésus dit. Que Jésus Christ va dire aux disciples. Demande, donne ordre aux disciples. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible.
Je vais révéler de grandes choses. Je sais que Dieu va nous bénir. Et laisse-moi te dire, ta vie ne restera plus la même. Qu'est-ce que je voulais te montrer aujourd'hui? Nous devons s'asseoir auprès de Jésus. Nous devons s'asseoir auprès de Jésus. Ta prière doit s'asseoir. Tu dois t'asseoir aussi dans la prière. Assis-toi dans la prière. Assis-toi dans la parole. Fanda kati na maloba. Lis la parole. Tanga maloba. Et tu seras sauvé. Okubiki sama. C'est pour cela que je voulais te révéler une chose. Yango na lingina tali sa yo eloko. Jésus-Christ dit. Yesu masia alobi. Faites-les asseoir. Fandi sabango. Faites-les asseoir. Fandi sabango. Aujourd'hui aussi je viens te dire. Lelo lisusu na ye ko yebisa yo. Assis-toi. Fanda. Assis-toi. Fanda. Assis-toi. Fanda. Parce que t'asseoir bien aimé, assis t'as, quand tu vas t'asseoir. Tango ko fanda. Auprès de Jésus. Bene Yesu Masia. Mais laisse-moi te dire. Tikana yebisa yo. La délivrance est là chez toi. Délivrance est que vous n'avez pas na yo. Alléluia. Amen. Jésus-Christ savait pourquoi il a dit ça. Yesu Masia yebaki pona nina lobaki bongo. Alléluia. Amen. Nous allons lire d'abord les Écritures. Tokotanga nanu malo makomi. Et quand nous allons commencer à lire les Écritures. Tokotanga makomi. Je vais commencer à vous révéler des grandes choses. Nakobando talisa ko révéler. Je vais commencer à vous parler. Nakobando olobela bino. S'il y a une révélation, je te le parle. Soki révélation ezali na koloba. Dieu est tellement merveilleux. Nzamba za malamu. Et je sais que Dieu va te bénir aujourd'hui. Na yebi te nzamba ko pambola yo lelo. Tu sois béni au nom de Jésus. Opambola mwana kombo na Yesu. Jean 6. Essayez aussi de partager si vous avez le temps. Jean 6 dans le verset. C'est bien de lire ça du premier verset. Amen. Mais ce qui était intéressant, d'abord c'était le verset 10, verset 11. Mais nous allons lire du premier verset. Amen. Jusqu'au verset 11 pour mieux comprendre. Amen. Et nous allons préparer aussi le psaume 23 dans le verset 1er jusqu'au verset 2. D'abord, nous sommes dans le livre de Jean 6, du premier verset jusqu'au verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis avec vous dans le 8 secondes. Premier verset, la Bible dit ceci. Après cela, Jésus-Christ s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Tibériade, ce qu'on appelle aussi. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset 2, amen. La Bible dit ceci. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait le miracle qu'il opérait. Sur le malade. Jésus montant sur la montagne. Et là, à la montagne, il s'assit avec les disciples, avec ses disciples. Il s'assit avec ses disciples. Alléluia. Amen. Or, la Pâque était proche. La fête des Juifs. Fête y a pas Juif. Ayant levé les yeux. A tomboli miso. Et voyant qu'une grande foule venait en lui. Amoni batwe belé koya peninaye. Et Jésus qui se dit à Philippe. Yesu masi a lobi na Philippe. Où achèterons-nous de pain? Toko somba ma pa wapi. Pour que ces gens aient à manger. Pote batu oyo baz lia. Et il disait cela pour l'éprouver. Aloba ki yango pote atali sabango. Car il savait ce qu'il allait faire. Ayeba ki eloko o alinga ki asala. Philippe lui répondit. Philippe a zongi si. Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffira pas pour que chacun en reçût un peu. Mapa oyo to kozwa pona bat oyo ekokokate. Verset 8 de la Bible dit ceci. Amen. Un de ses disciples, André. Moko na bango André. Le frère de Simon Pierre lui dit. Ndeko ya Simon Pierre alobi. Il y a ici un jeune garçon. Un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Elenge mobali azali na mapa mitano pena ba mbisi. Mais qu'est-ce que c'est là? Pourtant, des gens, alléluia.
Mais qu'est-ce que c'est, bien aimé, c'est là. Pourtant, des gens, 5 pains et 2 poissons, avec ces tant de personnes. Et là, quand on est allé entre ma famille, alléluia. Amen. Dans le verset 10, Jésus-Christ dit. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Et si la soleil est le soleil, j'ai déjà parlé sur les 5 pains et 2 poissons. Je ne vais pas encore parler là-dessus. Mais ici, je viens vous révéler de grandes choses. Ce que Jésus-Christ a prononcé. Il dit, faites-les asseoir. Et il y avait là, bien aimé, et il y avait dans ces lieux-là beaucoup d'herbes. Et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 personnes, 5000 hommes. 5000 hommes, donc hommes avec de grandes H, bien aimé. Alléluia. Amen. Dans le verset 11, la Bible dit ceci. Amen. Jésus prit le pain. Yes, rendit grâce. Et il distribua, bien aimé, à ceux qui étaient assis. Oh, j'ai dit bien que Jésus-Christ distribua, bien aimé, le pain à ceux qui étaient assis. Il faut bien souligner. Et il faut bien souligner cela. Maman, tu dis très bien. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ se leva le main. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Et il distribua bien aimé à ceux qui étaient assis. Il leur donna bien aimé de même des poissons autant qu'il en voulurent bien aimé. Alléluia. Amen. 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 Je voulais expliquer ici. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus qui avait traversé de l'autre bord. Alléluia. Amen. Voilà du lac Galilée. Amen. Rivière Galilée. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est parti, bien aimé, de l'autre côté, il y avait une foule qui le suivait. Jésus qui a eu compassion parce qu'il a dit que mon ami. Il va dire à Philippe. Mais toko sandeng ni potole sabato. Amen. Alléluia. Amen. Alors André va répondre ceci. Amen. André azong si boye. Mais ici il y a un jeune garçon ici. Moi na moba elenge mobali moko azali. Mais ce jeune garçon ici a que 5 pains. Azaka na ma pami tano. Et 2 poissons. Bambisi mi balé. Alléluia. Amen. Ah, mais avec tant de gens comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bele botoko sa lo lenge nini. Jésus que c'est leur dit ceci. Yes, masi a lobi na bango boye. Faites-les asseoir. Bo fandi sa bango. Alléluia. Amen. Il y avait là, dans ce lieu-là, beaucoup d'herbes. Place wana matite ezala ki ebele. Alléluia. Amen. Le beaucoup d'herbes ici nous rappelle dans le livre des psaumes 23. Matite o ezali ko rappeler biso na psaume 23. Comme j'ai dit que nous allons lire aussi psaume 23 dans le verset 2. Na lobaki to tanga psaume 23 na verset 2. Pour te faire l'image. Totali sa yo image. Que il y avait dans ce lieu-là beaucoup d'herbes. Esika wana matite ezala ki ebele. Dans le psaume 23 dans le verset 2, la Bible dit ceci. Na psaume 23 na verset 2 Bible lobi boye. On peut lire du premier verset au verset 2. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Yesu masi azali mon bate limpate. Je ne manquerai de rien. Na kozange lokote. Il me fait reposer. A pemi singai. Dans le vert pâturage. Na matiti ya mobesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant osons comprendre maintenant. Tu as une image maintenant. Alléluia. Amen. Là-bas, la Bible te dit, il me fait reposer. Dans le vert pâturage. Mais dans le verset 10, il y a Jean 6. La Bible te dit ceci. Jésus dit, faites-les asseoir. Mais il y avait dans ce lieu-là beaucoup d'herbes. Maintenant, vous comprenez maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, afin de se battre, il y a vert. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'asseoir ici.
Là-bas, on te dit s'asseoir. Mais dans psaume 23, on te dit repose. Repose. Donc s'asseoir et cause la paix égale à reposer. Ils allaient peut reposer. Tant aux offandes, aux opéma. Alléluia. Amen. Donc Bazaïki qu'on se reposer. Amen. Bazaïki kopema. Na matiti oye les aliwana. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il s'engueule pas vanda? Pour la ligne s'engueule pas vanda. Alléluia. Amen. Pourquoi il s'engueule pas vanda? Amen. Alléluia. Amen. La position d'abord avant la provision. Et s'engueule tous à la position. Position d'abord avant la provision. Position avant provision. La position avant la provision. Alléluia. Amen. Oh, Jesus Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman va arriver. Alléluia. Comment? Alléluia. Amen. J'ai dit que la provision avant... La position avant la provision, maman. D'abord, il faut position, hein, et puis la provision arrive. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui se passe ici, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Première étape, oh, Ezali Awa. Étape à Liboso. Avant provision et Ya. Avant, amen. Le faire d'abord asseoir. Il faut qu'on dise à Bangona n'a pas besoin de loco. Alléluia. Amen. Donc, avant de passer à la prochaine étape, alléluia. Avant de passer à notre étape, maman, ma soeur, avant mon frère, étape à Liboso, il y a Msusu, et c'est que tu fanda. Il faut d'abord s'asseoir. Fanda Liboso. Position d'abord. Positionne-toi. Positionne-toi d'abord. Amen. Et après, la provision arrive. Amen. Maintenant, tu comprends, maman. Yes, yes. Positionne-toi d'abord. Et puis la provision arrive. Avant que Dieu te bénisse, quelle est ta position? Voilà, positionne d'abord. Amen. Et la provision arrive. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ leur dit ceci. Yes, faites-les d'abord asseoir. Base-toi position à Malamu. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça maintenant. Ndenge. Le miracle maintenant va commencer Amen. À s'opérer. C'est pour cela que je voulais dire à une personne. Assis-toi auprès de Jésus. Assis-toi auprès de Jésus. Parce que si tu es assis auprès de Jésus, deuxième étape ça arrive. Deuxième étape arrive. Comme nous sommes là, nous sommes en train de prêcher. Mais tu vas voir, peut-être une personne n'est pas assise. Mais il est toujours là en mouvement. Il va venir peut-être jeter un coup d'œil. Et qu'est-ce que papa dit là-bas? Quand il écoute, il part, il le répare. Mais parce qu'il y a un enfant qui te dérange. Parce que tu as mis quelque chose sur le réchaud. Alléluia. Amen. Parce que tu es occupé quelque part. Mais tu prétends comme si tu es en train de me suivre. Écoutez, je voulais te dire ceci. Assis-toi. Fanda. Assis-toi. Fanda. Assis-toi d'abord. Fanda. Positionne-toi. Zona position. Parce que tu as une bonne position auprès de Jésus. La deuxième étape arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait multiplication de pain. Donc il y avait le miracle qui s'est manifesté. Mais je voulais dire à une personne, s'asseoir auprès de Jésus, bien-aimé. Nous sommes sous la protection. S'asseoir auprès de Jésus. Nous sommes sous sa protection. Je vais te le montrer. Je dis bien que s'asseoir ici est égal à reposer. Alléluia. Amen. Repose. Pema. Repose-toi. Amen. Alléluia. Amen. Pour ta protection. Pour la protection na yomoko. Pour ta protection. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait. Cette année ici, bien, il faut s'asseoir. Amen. Mbula oye sengel na yo ofanda. Il faut s'asseoir dans la prière. Il faut s'asseoir dans la parole de Dieu. Il faut s'asseoir bien dans ta vie spirituelle. Toi et ta maison. Pour la protection. C'est par là que la Bible dit dans le livre de Psaume 91. Amen. Psaume 91 te dit ceci.
Amen. Tu vas comprendre pourquoi je dis que asseoir est égal à reposer. La Bible te dit ceci. Dans le livre de Psaume 91. Du premier verset. La Bible dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'ombre bien-aimé du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant, maman. Oui. Alléluia. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et moi, explique tout ça, moi. Amen. Au moins, il repose, Yéwan. Repose. Amen. L'ombre qui est là, le mot l'ombre. Ombre, wana, mot wana, ombre. Et l'image de la protection. Amen. Y a une protection. Ça lui colle ça que bon maman. Alléluia. Amen. Tu vois quand la Bible te parle là-bas, que si tu demeures sous l'ombre du Très-Haut, sous la pluie, tu reposes à la protection de Dieu. Amen. Nous allons que bon maman, nasi alo boko nanzambe. La Bible est semée. La Bible te dit ceci. Amen. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Amen. 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 Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Amen. Et moi, expliquez tout ça, moi. Amen. S'asseoir, faites-les asseoir. Fandi sa bango. Et ça, c'est pour la terre, bien aimé. Amen. Et ça, c'est pour la terre. Ce qui est fanny, pénaïe, sous ma scie, tu es protégé. Amen. Faites-les asseoir. Fandi sa bango. Faites-les asseoir. Fandi sa bango. Dans le vert pâturage. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes protégés. Tozali ako bon maman. Faites ta vie assise, bien-aimé. Fandi sa bo moyina yo epai na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es sous la protection. Tozali ako bon maman na Yesu. Ta famille est sous la protection. Liboto na Yesu ako bon maman na Yesu Masia. Alléluia. Amen. Am I speaking to someone there? Amen. Am I speaking to you? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, je voulais te dire ceci. Na lingina le ba boye. Reposez mais s'asseoir Rwanda. Ko fanda pe ko pema. Alléluia. Amen. Faites-les asseoir. Fandi sa bango. Et le mot la sapenine. Et l'ingé koloba. Vous allez organiser. Amen. Organisation. Alléluia. Amen. Organise-toi. Amen. Arrangez. Alléluia. Donc, position d'abord avant la provision. Amen. Maman, vous comprenez, Ngaï? Yes. Organisez. Donc, Dieu, Jésus, qu'est-ce que vous voulez leur dire ceci? Il dit ceci aux disciples. Organise bango, organisez bango nan. Alléluia. Arrangez bango nan. Baza la prêt. Amen. Alléluia. Amen. Parce que deuxième étape est ça. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je speak to someone. Amen. Et moi, je speak to you. Amen. Dans la vie, si tu n'es pas organisé. Amen. Dans la vie, si tu n'es pas organisé. Tu n'es pas assise, bien aimé. Tu peux rien faire. Attends, ça mis solo. Attends, ça mbongo belé. Même si tu as l'argent. Au moment où tu perds des mbongo, mais ça de l'autre côté. Tu vas perdre, mais ça rien faire. Parce qu'il y a une manque d'organisation. Parce qu'il y a manque d'organisation. Parce que au fond d'été. Oui, au fond d'été. You are not assis, bien aimé. Tu n'es pas assis. Au fond d'été. Alléluia. Amen. Et moi, je explique tout ça moi. Mais s'asseoir ici où? Au fond d'Awapi. Auprès de Jésus. Amen. Quand tu es assise, tu es bien organisé. Vous allez voir des changements. C'est pour cela que je voulais dire à une personne. Quand tu es organisé cette année ici, ta vie ne restera plus la même. Tu seras transformé, bien-aimé. Amen. Mais parce qu'au fond de Penayesu, il te donne l'intelligence maintenant. Receive it now. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais te montrer une chose. Ça, c'est la Bible. Dans le livre de Luc 14. Luc 14, dans le verset 28. Luc 14, dans le verset 28. Amen. La Bible dit ceci. En effet, je suis avec vous la semaine. Amen. En effet.
Si l'un de vous bâtir une tour, ta fondation. Alléluia. Amen. Si l'un de vous bâtir une tour, et ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir, s'il ne prend d'abord le temps de s'asseoir, s'asseoir pour calculer, bien aimé, ce qui lui coûtera. Et de vérifier, bien aimé, s'il aura les moyens de mener son entreprise à bon fin. Alléluia. Amen. Je voulais dire à une personne. Je suis allé avec maman. Nous avons un petit argent. Mais nous avons des projets. On ne va pas prendre de l'argent directement, on le met dans les projets. Amen. Nous devons s'asseoir d'abord. Il y a une personne qui pleure beaucoup. Par la grâce de Dieu. Dieu me révèle cela. Il y a une personne qui pleure beaucoup. Mais la vie, il tourne. Il tourne toujours. Même s'il touche l'argent comme ça, mais il n'a pas le temps de s'asseoir pour réfléchir, pour être organisé. Ce que je vais construire m'écoutera combien? Mais tu risques de déposer l'argent pour une maison qui te coûtera trop cher. Amen. Tu es stoppé, tu es bloqué. Amen. Ça, c'est la Bible qui te dit. Si tu ne prends pas le temps de s'asseoir, bien aimé, comment est-ce que tu vas arriver jusqu'au bout? Ne t'assis d'abord pour calculer les dépenses, et voir s'il a de quoi la terminer. Ça, c'est dans ton Bible. Amen. Dans ta Bible. Dans ta Bible de lui, c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, faites-les asseoir. Nous devons s'asseoir auprès de Jésus. Tout ce que nous possédons, maman. Tout ce que tu possèdes, mon frère, ma soeur. C'est à Dieu. Mais alors, pour te décider. Pour faire quelque chose. Même les enfants que nous avons ici. C'est Dieu qui nous les donne. Maintenant, si tu as des projets avec les enfants, il faut les faire l'asseoir d'abord. Parce que c'est lui qui est le décideur. C'est lui qui a des solutions. C'est lui qui a des résolutions. C'est lui qui va faire changer beaucoup de choses. Faites-les asseoir d'abord. Faites d'abord asseoir. Qu'on soit qui peut le casser. Amen. Parce que je suis bon, malamoko. Faites-les asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Faites-les asseoir. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Nzamba zama lamu. Dieu est tellement bon. Nzamba zama lamu. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Amen. Am I speaking to someone? Amen. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Glory be to God. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Dieu veut bénir une personne. Dieu veut bénir une personne. Dispose-toi, bien-aimé. Zala libre. Dispose-toi pour, bien-aimé, mener les affaires, bien-aimé, à fonctionner. Il faut être disposé. Dieu t'aime beaucoup. Mais ce qu'on fait, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Am I speaking to someone? Amen. Am I speaking to you? Je voulais te montrer une chose. Alléluia. Amen. Je voulais te montrer une chose. Regardez un peu le photo qui est là. Au moins une photo. Ça, c'est les disciples entourés.
avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Vous allez remarquer que le disciple s'est allongé. Il s'est allongé. Il s'allonge. Allongé. Alléluia. Maman, faites-les asseoir. Pour les repas. Pour les repas. Pour le repas du Saint, de la Sainte Seine. Pour la Sainte Seine. Ils étaient entourés, mais allongés. Ils étaient allongés. Allongés. Et là, c'est un repos. Amen. Tant que vous avez un repos, vous avez allongé. Tant que vous avez un repos, vous avez un repos. Tu es allongé. Ils étaient allongés. Tout autour de Jésus. Amen. Sur la table, bien-aimé. Pour partager du pain. Pour partager du pain. Bien-aimé, laisse-moi dire à une personne. S'asseoir. S'asseoir. Auprès de Jésus. Il y a une récompense pour une personne. Il y a une récompense pour toi. Fanda penena Yesu. Amen. Assieds-toi auprès du Seigneur. C'est tellement très important. Mingi. Parce que le dimanche passé, j'ai dit ceci. Que la fin de toutes choses est proche. Et Dieu merci, aujourd'hui, il me met à cœur. Que n'aya qu'au fond, la bise au lambeau. Faites-les asseoir dans cette parole. Faites-les asseoir dans la prière. Pour que va progresser. Pour que, bien aimé, va dans l'élévation. Amen. Pour que va kende liboso. Alléluia. Amen. Avancez cette année ici. Mais nous devons s'asseoir. C'est tellement très important. Je voulais te montrer une chose encore. Dieu merci. Dans le livre de Luc 10. Dans le verset 38. Alléluia. Amen. Jusqu'à 42. 10, 38 à 42. Je vous ai déjà parlé de ça. Ça, c'est ce qui concerne Marie. Oui, Tali Marie. Ici, le problème, c'est quoi? Problème, Zali Nini. Nous allons lire. Toko Tanga. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, et il entra dans le village, et une femme nommée Marthe le reçut bien aimé dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise bien aimé au pied de Jésus, du Seigneur. Écoutez la parole. Écoutez sa parole. Alléluia. Amen. Je le répète. Marthe avait une sœur. Nommée Marie. S'étant assise. Afandaki. Au pied du Seigneur. Na Yesu. Écoutez sa parole. Koyoka maloba. Mais écoutez maintenant. Sikoyo. Verset 40. La Bible dit ceci. Marthe occupée de divers soins domestiques. Marthe bandai ko sala makambu ya ndaku. Survint et dit, Seigneur. Alobi boye. Cela ne te fait-il rien que ma sœur qui est Marie. Yesu ezo sala yo eloko te ndeko nanga Marie. Me laisse seule pour servir. Azo tika nganga moko na sala misala oyo nyonso. Marthe yom to yambi Jésus na ndaku na yo. Toi qui as reçu Jésus dans ta maison. Jésus qui arrive dans sa maison. Yes, ma sœur, comme il a il y a sa sœur Marie. De konaye Marie. Qui décide de s'asseoir. Andimi kozfanda. Au pied du Seigneur. Na makolo na Yesu. Pour écouter la parole du Seigneur. Voyo kamaloba na Yesu, ma sœur. Pour écouter la parole. Voyo kamaloba. Mais la Bible te dit quoi là-bas? Bible ezali ko lobela biso. Elle était assise. Afanda ki. Elle était assise. Afanda ki. Elle était allongée. Afanda ki pe. Elle était allongée. Afanda ki pe. Elle était allongée comme les disciples. Afanda ki loko la baye. Laisse-moi dire à une personne. Sikana ye bisa. Quand tu es assise. Quand tu es assis, bien-aimé. Laisse-moi te dire. Sikana ye bisa. Dis pas bon nzambe
loupé au thé. Amen. Marthe. Marthe. Je vous ai parlé ça. Nalobela ki bino yango. Marthe là-bas va commencer à se complaindre. Marthe va venir complaindre. Jésus, vous me laissez comme ça. Otikinga boye. Tu ne peux pas vraiment comprendre. Oko comprendre nga te. Que Marie devait venir aussi m'aider pour servir. Maria sunganga pina ko kabola. Écoutez la réponse du Seigneur. Tika yokalo. Dans le verset 41, le Seigneur lui répondit. Yesu masia zongi si. Marthe, Marthe. Marthe. Tu ne t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Tu t'agites. Tu t'agites. Pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi sa part. Marie a choisi sa part. Marie a choisi sa part. De se reposer auprès de Jésus. De se reposer auprès de Jésus. S'asseoir auprès de Jésus. Pour écouter cette parole. Ce n'est pas tout simplement le pain. Et deux poissons, non. Mais écoutez la parole. Quand ils étaient là, bien-aimés, ce n'était pas seulement du pain et poisson. Mais bien-aimés, laisse-moi te dire. Ils étaient allongés. Pour écouter cette parole qui sort de Jésus. Et la Bible me dit ceci aujourd'hui. Le point capital. Maintenant le point capital. Le Seigneur Jésus. Qui est à la droite du Père. Qui est à la droite du Père. Il n'est pas debout. La Bible était dit dans le livre de Hébreux 8, le premier verset. Il est assis, bien-aimé. À la droite du Père. Dans Marc 16, le verset 19. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est assis, maman. Il prie, il parle. Bien aimé, laisse-moi te dire. Il ne faut pas être agité comme Marthe. Il ne faut pas, bien aimé, te compliquer toi-même. Assis-toi. Assis-toi auprès de Jésus. Parce que Jésus va changer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Mais Jésus qui intercède pour nous. Yo vivrai. Tu vivras. Parce qu'il est assis à la droite du Père. Tu ressusciras. Yo ko, c'est quoi? Au corps sûr. Au corps reçu. Tu vas réussir. Amen. Parce que Jésus qui s'est assis. Il intercède pour nous. Tu es béni cet après-midi. Parce que Jésus qui s'est assis. C'est le point capital pour nous cet après-midi. Nous devons s'asseoir. Faites-les asseoir d'abord, Emmanuel. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Dans la parole de Dieu. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir dans la prière. Je voulais te dire, Ndekonangai. Nous t'avons saillé. Amen. Personne n'était trop. Bien-aimé, si on vendit, si on vendit la carte de ma bonne délit. Si tu es assis dans la prière, à table, problème, vous voyez, n'est-ce pas? Même les problèmes viennent. Laisse-moi te dire. Si tu as dit ça, ton ennemi, et Moïlinayo, ton ennemi sera maintenant. Moïlinayo, à quoi? À cause de la maintenant marche-pied. À cause de la moutou, à cause de la tambour, à cause de l'escalier, au lieu de combattre la porte dans l'élévation. Amen, amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, explique tout ça. Amen. Marie a une décision, madame. Amen, Marie. Amen. Nous devons prendre aussi cette décision aujourd'hui. Laisse-moi te dire, même l'église retourne aujourd'hui. Aucune église était. Amen. Pour prendre beaucoup de décisions dans ta vie. Bien aimé, nous avons besoin de s'asseoir auprès de Jésus. Nous avons besoin de s'asseoir dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de s'asseoir dans la prière. Et la Bible dit que la deuxième étape maintenant a suivi. Amen. La deuxième étape, c'était quoi? La provision. Amen. Alléluia. Amen. Et m'a expliqué tout ça, moi. Amen. La provision peut s'amener la mission. Amen. Provision peut s'amener la yo. Amen. Par le nom puissant de la Jésus. Yes. Par le nom puissant de Amen. Jésus. Il y a un moment dit Marc 16, verset 17, Bible de Bible. Mm. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru.
à mon nom, bien-aimé. Et ils chasseront les démons. Et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, des serpents. Et s'ils boivent quelques bravades mortelles, bien-aimé, ils ne les feront point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, dans verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever du ciel. Et le point le plus important, ce qui est capital, il s'est assis à la droite du Père, à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous allons faire comprendre Moutoumoko? Alléluia. Est-ce que je peux recevoir un amen très fort? Amen. Et que ta vie ne reste plus la même? Amen. Nous devons prendre bien aimé. Mm. Nous devons prendre bien aimé. Bien aimé. Nous devons prendre après. Donc apprenez-nous à s'asseoir. Apprenons-nous à s'asseoir. Il faut que tu aies un peu de exactement, très important. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'air. Amen. Ils sont agités comme Marthe. Agités, occupés. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent beaucoup. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a rien qui ne marche. Fanda. Quand tu es assis bien aimé auprès de Jésus, tu es organisé. C'est ça, une réponse que je vais dire à une personne. Amen. Beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui, si vous les voyez comme ça, tout à l'air. Si tu regardes sa vie pendant 5 ans, il est toujours comme ça. Il n'est pas organisé. Manque à organiser ces années qui afin de n'être pas dans Jésus. Bien, mais parler de Jésus. Il faut tout le monde appeler que oui aux arrivants. Tu es assise bien même dans le foyer naio, père la famille naio. Na kata libala naio. Na misala naio nous sommes assises. Amen. C'est tellement très important bien aimé. Ezama mutuya mingi. Tala mouyi bien continue d'ako. Amen. Tala mouyi bien continue d'ako na mboka. Azo yiba biso pour la nini. Pour un peuple affandité. Amen. Nous sommes ça, c'est une révélation pour nous. Amen. Révélation pour Nabiso. Ça, c'est une révélation pour nous. Révélation pour en particulier là-bas au Congo. Amen. L'ennemi nous pille là-bas. L'ennemi azali koyiba. L'ennemi nous tue là-bas. Azali koboma. Parce qu'on n'est pas encore assis. Nous sommes pas assis. Tofandité. Tofanda to réfléchir. Tofanda. Amen. Tofanda to s'organiser. Amen. Tofanda to s'arranger. Tokanisa. Ton vanda, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Et là, on est au t'es comme sensible, maman. Amen. Voilà, on est au sens. T'es comme sensible. Ma foyer est sensible. Amen. Et t'es comme bongisa. Comment est-ce que mon bon est belé? Mais regarde les routes. Y a pas de route. Y a pas de route. À l'intérieur là-bas, y a pas de route. Nakata ma province, y a pas de route. Si vous allez là-bas, bien, vous quittez par exemple Lubumbashi à Kinshasa. Impraticable. Il y a pas de route. Vous quittez l'Équateur vers le Goma, impraticable. Parce que tout fandita. Mbongo zo leka pe biso pa ele ki biso kei. Yango moni. Maman, même où il y a quotidien dans le foyer, dans la famille, pour que personne ne voie le bon, pour que personne ne voie le bon, pour que personne ne voie à détourner. À détourner. Pour qu'il passe les gagnants. À détourner. Pour que personne ne voie le bon. Pour qu'il passe. Mais parce que tu fais l'idée. C'est par là la Bible dit ceci dans le livre de Marc 3, dans verset 25. Dans verset 25. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si on peut s'y aller.
tango kita na sinai sasa boy business zate musale zate bali mbongo ndeba ngoso kwa kimya kile na village au la nani njirani parce qu'il y a pas de route. Amen. Il y a pas de route. Amen. Il y a une vidéo comme nous on montre ici tous on mon jeep moko ba matia mon akata soi-disant barque ya banzete. Jipe et choli et côté la maille. Mais si vous regardez, ma million et bima, ma million sont tellement bambokana. Je voulais révéler à une personne. Peuple africain, nous devons s'élever. Amen. Avoir un chef qui fait 10 ans au pouvoir doit quitter. Nous devons être comme des blancs ici. Nous devons être comme si les Américains, 10 ans, il y a un mandat, à Keinaïe, et Sili. Mais au moins, les présidents ont été pris de 10 ans en Afrique. C'est un danger pour le peuple. Amen. Pour cette nation. Il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien. Amen. Il n'y a que la souffrance et la souffrance. La souffrance, la... Donc, même vie, même vie. Mais il y a qu'on a bien. Mais ils oublient qu'il y a un jour pour tout. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a un jour. Mais je voulais demander à un enfant de Dieu de s'asseoir. Assis-toi auprès de Jésus. Jésus-Christ dit aux disciples, faites-les asseoir. Parce que la délivrance est là. Parce que le miracle est là. Alléluia. Amen. Am I speaking to someone? Nazali ko lo bande ko moko. Am I speaking to you? Nazali ko lo bande ko moko. C'est tellement très important. Ezamo tuya. Vous savez dans le livre de 2e Thessaloniciens. Na mo kana de Thessaloniciens. 2e Thessaloniciens. 2e Thessaloniciens 2. Je vais m'arrêter ici. 2e Thessaloniciens 2. Dans le verset 4. 2e Thessaloniciens 2 dans le verset 4. La Bible dit ceci. Je suis ici avec un semeur. Yoka, amen. Ça va t'aider. Amen. Que personne, dans verset 3, tout le temps verset 3, que personne ne vous égare d'aucune façon. Car ce jour n'arrivera pas avant qu'il éclate, bien aimé, le grand rejet de Dieu. Et que soit révélé l'homme de la révolte. Vous allez en dangaï. Amen. Nicolas, vous allez en dangaï. Vous allez en dangaï. Vous allez en dangaï. La Bible te dit ceci. S'éclate un grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Il y a un adversaire qui est élevé aujourd'hui. Il est destiné, bien aimé, à la perdition. Et la Bible te dit ceci. Dans verset 4, ce qui est important. Que l'adversaire est bien aimé qui s'élève au-dessus. Alléluia. De tous ceux qui portent le nom de Dieu, De toute personne, oh bien aimé, qui porte le nom de Dieu, Dieu. Et de tous ceux qui est l'objet d'une vénération religieuse. Alléluia. Amen. Et il ira jusqu'à s'asseoir, bien aimé, dans le temple de Dieu. En proclamant lui-même Dieu. En proclamant lui-même Dieu. Moni, ton père s'a accepté. Amen. C'est ça ce que je parlais ici, maman. Amen. Que bien aimé, l'adversaire nous utilise comme marche-pied. L'homme de la révolte, bien aimé, veut nous utiliser comme des marche-pieds. Yé a bonga a réussir mission aye. Yako père de peuple na Nzambe. Yako bungi sa biso. Yako père sa biso n'importe quoi. Aujourd'hui tu sois déclaré symptôme. Né ya ce pays. Amen. Ça c'est l'homme de la révolte. Bien aimé. Balobi que vous savez c'est quoi? C'est ce qui précédera bien aimé la venue du Seigneur. Amen. Yango ndezali koya Yesu komi pene. C'est ça ce qui précédera bien aimé la venue du Seigneur. Il veut nous utiliser comme des marche-pieds. Il y a mon monnaie bien avant baso bonka, avant baso bonga, puis surtout que la pauvreté. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. Assis-toi. Amen. Auprès du Seigneur. Et la Bible te dit que voilà, il va changer. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans le livre de Matthieu 22, verset 44,
ou bien au lani botani na kata psaume 110 na verset 1. Dieu, le Seigneur qui est assis à la droite du Père. Papa, Yesu Masia o afandi na pour faire de tes ennemis maintenant ton marche-pied. Donc, ce qui est à Salabi, c'est comme un escalier à Matelagabiso. Maintenant, Dieu va tourner cela. Nos ennemis seront confondis. Que tu sois béni cet après-midi. Je le déclare par le nom puissant de Jésus. Que tu sois béni cet après-midi. Par le nom de Jésus. Que tu sois béni cet après-midi. Que Dieu soit ensemble avec toi. Et que ta vie ne reste plus la même. Tu vas témoigner ce Dieu ici. Assis-toi dans la prière. Assis-toi dans la parole, bien-aimé. Assis-toi, Dieu va te révéler de grandes choses. Dieu va te révéler l'homme de la révolte. Dieu va te révéler ce qui se passe aujourd'hui. Dieu va te révéler de grandes choses. Nous sommes utilisés, bien-aimé, par l'homme de la révolte. Bien-aimé, Azana va jamais partout. Même ici, quand ils ont sala, jamais. Il est là tout simplement pour vous utiliser. Mais je le déclare au nom de Jésus, ma cousine va bisoter. Je le déclare au nom de Jésus, ma cousine va yoter. Tu es protégé par le sang. Tu es protégé par celui qui est assis. Celui qui intercède pour ta vie, pour ta famille. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Oh Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yama to mito benga ni kufa e. Benga na kufa cette année ici. Benga na yena na kuna yo par le nom puissant de Jésus. Banko sa yote ke yaka to pesi yon rendez-vous. Banko sa yote ke to pesi yon appointment. Banko sa yote ke pesi yon rendez-vous yaka. Et belle ma zouba rendez-vous. Ma rendez-vous sur ma femme n'aille souté. Ozu rendez-vous au Kéi. Au Kéi kokene ya libéra. Sans retour. Et ça n'a pas te belle mis sur ton pessi. Zéla mon kende. Kende pose un rendez-vous. Ils sont allés, mais ils ne sont plus encore retournés. Aujourd'hui on plaît. Parce que l'homme de la révolte s'est levé. S'est levé. Bien aimé. Ce qui pressera, bien aimé, la venue du Seigneur. Bien aimé, la fin de toutes choses est proche. Nous devons s'asseoir. Faites-les asseoir. Serviteurs, faites-les asseoir. Faites cette nation assise, bien aimé, auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Parce que c'est là la délivrance. C'est là la protection. Celui qui se repose, bien aimé, à l'ombre du Tout-Puissant, bien aimé. Repose, repose. Alléluia, repose. 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 La Bible dit que c'est lui qui demeure sous l'abri. Sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre, bien aimé, à l'ombre du Tout-Puissant, à la protection. Maman, nous sommes protégés. Amen. Nous sommes protégés. Amen. Alléluia. Amen. Même ici, ils ont regardé nous. Alléluia. Mais si nous sommes assis auprès de Jésus, amen, nous sommes protégés. Amen. Que tu sois protégé. Au nom de Jésus. Fandana yo la famille yo. Amen. Na nzambe. Alléluia. Kotika nzambe te. Kotika bana yo musika te na nzambe. Bonde la ka nzambe. Amen. Ko sa distraire te lokola mat. Alléluia. Bien le mec qui s'agite. Attends, nous sommes inquiétés de Béré. Béré, laisse-moi te dire. Yom, tu es un mongo. Sommes un mongo. Ozana, et là, comment on s'en va. Mais laisse-moi te dire. Repose-toi auprès de Jésus. Béré, allonge-toi auprès de Jésus. Béré, fanda la makola yesu. Zoua l'instruction, bon de l'anzambé. Pour que Béré, l'affaire en marche. Et tambora, Béré. Et nous allons témoigner ce Dieu-là. Il est merveilleux. Papa, ce n'est pas la force d'Amen. Les volontaires de Yokoxa. Pambola de quoi Zola Nana ici. Amen. Souvent de quoi Zola Nana. Amen. L'Omola Koufa. Amen. Pambola Bissol Zamba. Amen. Souma Rubokunaï. Amen. Par le nom de Jésus. Je sais que tu es tellement puissant. Léna Zakolo, bien aimé. Amen. Yoksoko Fandite. Ozana no occupé. Amen. Cette bénédiction de Zoyote. Amen. Bien aimé, cette bénédiction de Zoyote. Amen.
Vous savez que ici, ils ont un plafond. Nos prières, des fois, il faut les cas et pénétrer. Mais quand tu fais la prière, pour la sortie, ça va arrêter ici. Mais nous avons besoin de s'asseoir pour qu'elle pénètre, pour qu'elle élève son monde. Pour qu'on ait la licence. Cette année, si c'est la mienne, la bénédiction. Tu as été un zambé à la pambola. On avance. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu merci. Amen. Dieu merci. Amen. Dieu merci. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Dieu est bon. La vie était sans Zambé, on ne peut rien. Mais avec Dieu, on fera des espoirs. Amen. Dieu est tellement merveilleux, bien aimé. Dieu t'aime beaucoup. Amen. Bien-aimé, n'ayez qu'à prendre la vie, bien-aimé. Fanda pena dans Zambé. Amen. Fanda pena Yesu Masia. Amen. Parce que, Kouvana pena Yesu Masia, solution pèse à mes nébisons. Amen. Alléluia. Amen. Zamba Zamalam Mingi. Zamba Lingi Biso Mingi. Amen. Zamba Lingi Ope Mingi. Amen. Zamba la Lola Pambola Yomi. Amen. Zamba la Lola Sumayo. Amen. Yomona Loboko dans Zambé. Amen. Tous les gens toujours dans la live, dans la ligne. Nous avons toujours un message de mon côté concernant ça, l'église. Donc, tout ça toujours dans la ligne, vous toujours. Mais nous avons reçu un abisso. Nous allons avancer toujours comme ça. Timokolo, oui, Baba Goling. Mais n'oublie pas, on ne va pas laisser aussi donner aussi l'accès à l'homme de la révolte. Pour détruire nos vies spirituelles. Amen. Nous sommes toujours là pour édifier beaucoup de gens. Et que ta vie ne reste plus la même. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais assurer une personne, maman. Que Dieu sauve. Ne sois pas agité. Amen. Il faut beaucoup réfléchir. Demander à Dieu. Que tu sois organisé. Avant de faire quelque chose. Avant au salikamo. Que tu sois organisé. Dala organisé. Organise-toi. Dala organisé. Parce que tu risques de les retrouver comme ça avec de bien comme ça maboko na. Et c'est risqué au maboko na. Mais tu n'es pas organisé avec ça. Et demain on va te voler cela. Lobi bakoyi ba yo ango biloko. Parce que tu t'es pas organisé. S'organiser qui na yango te. Alléluia. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Quand nous sommes toujours dans la prière comme ça, il faut être connecté. Parce que quand tu es connecté, Marie était connectée. Hein? Amen. Marie a connecté. Marie était connectée. Marie a connecté. Quand Marie était connectée, elle déclenche un miracle. Amen. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Amen. La position avant la provision. C'est tellement très important. Position d'ailleurs avant miracle. Faites-les asseoir. Fanda. Et ce n'est pas Fanda. Alléluia. Amen. Ma Fanda qui n'a. Amen. Bas une position. Nous allons maintenant utiliser. Amen. Tu reçois position bien aimé. Et Dieu va nous utiliser. Amen. Et laisse-moi te dire, ta vie ne restera plus là. Côté. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu soit ensemble avec toi. Et que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu aussi bénisse aussi nos pays. Résidence.
Que Dieu soit avec vous ensemble. Vous qui êtes de loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez besoin de la prière, contactez-nous. Nous allons revenir sur nous. Merci beaucoup. Et bon dimanche à tout le monde. We will see you next Sunday. Semaine malamu, le bon conaïe est à l'école à Babina Bisso, à Sima Bisso. Nous sommes à Kende, nous sommes à la salle, nous sommes à la salle. Il y a la protection à Bisso. Nous sommes à la salle à la colonne. Nous sommes à la salle à la banaye. Nous sommes à la salle à la Zambé. Et nous témoigner. Amen. Zambé à Pambola Bisso. Nous sommes à la salle. Amen. Merci bande ko ngai. Dimanche ya malamu, poko ya malamu, semaine ya malamu. Nzambe na lola batela biso continue pour tu ba santé ya malamu. Nzambe asunga ndeko oyo azana mikaka tano lelo. Metika na biso na yo fana kana makona Yesu. Fana makona Yesu nzambe osunga mi. Soko zwi chance ko landa biso te. Bien zali wana. Tu peux le revoir. Et on kosa la béni mi. Que Dieu vous bénisse abondamment. I will see you again next time. Glory be to God. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour nos vies. Que Dieu soit loué pour ta vie. Il nous a donné la vie. Nous n'avons rien payé. En retour, il mérite la louange, l'adoration, l'acclamation. Il est digne. Bon, moi, je fais un zamba à Pessibiso. Santé, je fais un à Pessibiso. La commune à l'Okumu. Qu'il soit loué. Alléluia. Zamba à Pessibiso, on fait le. Que Dieu soit loué pour la vie, pour le mariage. Allez. Santé, merci à vous, toute l'église. Alléluia. Merci à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, see you. Bye bye. Bye bye.